Ok, et eh ben vas-y, tu rappes. Et bonsoir. Je vais être en compagnie d'un artiste et d'un beatmaker plutôt stylé. Salut tout le monde. Incroyable. Comment ça va YouTube? Eh ben, ça va et toi mec? Non, c'est Twitch. Ça va? Les actualités en termes de scène, la dernière c'était la release party de Loupio. Incroyable. Qui a sorti son projet, il y a Air qui change, dispo stylé partout. Nous arrivons donc avec la tête d'affiche. Roulement de tambour, je tape dans le micro pour saturer. Plein un tonnerre d'applaudissements pour Ephrasis. Voilà, ça c'est une entrée YouTube. Oh là là, mais c'est incroyable. Ephra, donc si je ne m'abuse, tu es donc rappeur des actualités récentes, des projets, des concerts, dis-moi. Effectivement, j'ai sorti un projet qui s'appelle Tout recommence, un 6 titres en mars 2024, là, il y a quelques mois, et il s'est suivi de pas mal de concerts en effet, puisque c'est vraiment le truc que je valorise et que je défends le plus. Première partie d'IAM à la Belle Électrique. Le rêve de tous les rappeurs. Ouais. Et puis dans ma ville natale, à Villefontaine, j'organise un concours d'éloquence et je le ponctue à chaque fois, c'était la troisième édition, d'un concert. Et là, c'était dans un théâtre du Velin qui a fait salle comble, 500 wow. personnes. Yeah. C'était vraiment des beaux moments. Ok, l'album de la maturité. Je vous propose, c'est qu'on va dire chacun notre mood. En quoi j'ai envie de partir? Est-ce que j'ai envie de partir sur un by funky disco là? Genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? T'as vu ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure, le mood de guitare de Magma de Isha, tu vois? Ouais. Genre une guitare électrique ou même une acoustique en vrai, ça pourrait être stylé. Ouais, je sais pas, une base comme ça, tu vois, et après dessus des drums trap et tout en mode un petit betu, tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie de tenter des choses et de me faire plaisir. Et il y a un truc qui m'intéresse en ce moment, c'est la nonchalance dans l'interprétation. C'est l'idée de modestie et de simplicité. Élégance, c'est un truc élégant, un peu. Ouais, feu très simple, bon, je vais commencer à me répéter, mais voilà, vous avez compris. Et c'est pas très clair, ça va le devenir, j'ai l'impression, quand on le fera. Ce live de la non-complicité continue. Entre vous dans le chat, n'hésitez pas à vous insulter, à proliférer la haine. Et C'est une milice. C'est pas... Les gars, je trouve ça hyper stylé. Hein. Introduction là comme ça. Vous êtes prêts? Non. Oh ah, je suis fanatique. Ouais, c'est énervé. Attends, viens, okay, on fait un truc, parce que moi j'avais une idée. Tu prends ta guitare acoustique, là, vite, tu fais ça, parce que je vais m'énerver là. Là, oh, commence pas à me chauffer gros, parce que vraiment. Dinguerie, hein. Petite dinguerie. Et après, on rajouterait par dessus, toi. Oh là 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 là. Ah oui. Ouais, c'est bon, j'ai. T'as capté pour que ça soit le début d'une. Putain, on se comprend sans parler français, c'est fou. On n'a pas besoin de parler français pour se comprendre. C'est exactement ce que tu as dit. Ça risque d'être un petit peu fort. Voilà, nickel, c'est ça. Qu'est-ce que... Okay. Donc là, on compresse en fait pour que la basse, là, elle va générer des notes quand même vachement fortes. Genre celles qui sont très très graves, elles vont être beaucoup plus fortes que certaines qui le seront un petit peu moins. Du coup, si on compresse, on équilibre tout et ça... Ça prend pas le pas sur tout, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a rajouté juste des petites drums un petit peu scredito, et on a fait un gros sub sur le drop, pour que toi, c'est un peu plus fat, quoi. Ok, et eh ben, vas-y, tu rappes. Ah,
Je nous vois devenir égoïste, je nous vois tomber bas, obsédé par les chiffres du compte Instagram et du compte épargne. Les portes se ferment, les cœurs avec et les reproches fusent. Moi j'ai perdu tous mes repères dans mon parcours de transfuge. Chacun sa trajectoire, ça secoue dans les virages. On mène nos barques prudemment, mais d'un seul coup on dévira. J'efface le tout loin des mirages, retrouver la paix frère. L'animaux de mes rimes t'effraient, des faces de fous, les ennemis râlent. Moi je kiffe, vraiment je trouve que c'est un morceau qui a beaucoup de potentiel. J'ai envie qu'on retravaille le refrain parce qu'il va vraiment donner de l'envergure et du coup on se fera une autre session. Moi j'avais en se mêlant, tu sais, en se mêlant quoi, en s'unissant. Okay, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Un thème, c'est quand même. Dans c'est le besoin d'unisson. Grand-mère rassurante. Tu me remets là sur Splice qu'on se trouve. John C. Les gars, ça m'a joué. Arrive là. T'es pas en solo sur la. Mais c'est vrai. Tu vois, c'est un peu le même truc qu'au La Foire à Mal. On se levant. Ça me parle directement. Je parle très fort. C'est pour dire que c'est vraiment bien. Il y a l'Also69 qui nous dit mettez plus de chorus dans la guitare avec reverb. Oh là, oh c'est quelqu'un c'est technique. Mettez plus de chorus dans la guitare avec reverb et cut à 200 Hz dans la reverb en bus avec un knob filter de wave et knob pumper en mais qui est... J'ai rien compris. Donnez de l'argent à cette personne. Je crois que l'Also a voulu nous insulter et les modérateurs ont mis des astérisques à la place. L'Also, incroyable. Oh, ça me tend des radis comme ça. Putain, c'est beau ça, merci mon rêve. Comment c'est bon mec. Oh, on m'a dit que je regarderai. Attention, résumé foireux. Trois mecs manger des radis en faisant de la musique. Oh, regardez. Cette vidéo est sponsorisée par Bretz. On mange là actuellement des chips au pastis. En vrai, franchement, elles sont bonnes. Hein. Plus j'en mange, moins c'est bon. Ouais. Ah. Mais si on est tendu et si on est faible, la chaleur humaine, c'est ça le remède. Car derrière le masque, on est tous les mêmes. La chaleur humaine, c'est ça le remède. C'est toujours la musique pour la crosse du fusil. La chaleur humaine, c'est ça le remède. Parce qu'on sait qu'on est plus fort si on s'unit. La chaleur humaine, c'est ça le remède. Fils de Abou Hassan, Monier et Joseph et Yvonne. Il y aura toujours des orages dans le ciel, mais il y aura toujours aussi des oiseaux qui volent. Ouais, il y aura toujours des raisons d'y croire. J'entre à la case à mon ref, on dit quoi. On revendique nos codes postaux et nos ressentis. Ouais, c'est un compliment de dire t'es trop gentil. Plus je grandis, plus je ressemble à mes parents. J'ai conservé leurs valeurs en tête, leurs principes au cœur et je m'en suis porté 40. C'est un jour ou l'autre, on a tous besoin d'aide. Je suis devenu tout ce que mes amis rêvaient d'être. Mais je sais pas vraiment si je suis encore heureux. Les sommets, la famille, les cernés, les têtes. Gros, j'ai zappé des années, raté des fêtes. Je suis parti trop vite avec des lacets d'effets. Cette fois j'y ai cru mais cette fois c'était fake. Je me suis perdu dans un monde artificiel. Retrouver l'essentiel gros c'est pas difficile. Il faudra beaucoup d'espoir et d'amour. Si on tend la main gros le monde est à nous. Il faudra donner des sourires et de l'aide. La chaleur humaine c'est ça le remède. C'est ça le remède gros. Voilà. C'est ça le remède. Messieurs bravo, bravo. Vous avez fait quelque chose de grandiose. Je vais conclure en coupant le micro de Jizz. Où on a dépassé les 5h30, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait énormément d'heures, 5h. Il est temps que ça s'arrête. Bon, ça valait le coup parce qu'on a fait deux bangers. Et si on regarde bien, ouais, on a fait une guitare efficace. Modestie, noblesse, simplicité, élégant, feutré, mais nique ta race en fait, gros. Mais tu te prends pour qui en fait, gros. T'es qui en fait. Bon, en tout cas, merci d'être aussi nombreux, même jusqu'à la fin. Nous allons terminer le streaming live. Merci à tous d'être passés, ceux qui sont passés en cours de route, tout ça, c'était incroyable. Merci beaucoup. La chaleur humaine, c'est ça le remède. Exactement. Et la chaleur humaine, c'est ça le remède. Allez, ciao.